الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. Imam prêche aujourd'hui. Et la bonne parole est une aumône. Frères et sœurs de la foi et de l'islam. Toutes les paroles et tous les mots, bons ou mauvais, qu'on prononce ont un sens en islam. Et c'est une preuve pour nous ou contre nous le jour de la rétribution. Chacun se verrait récompensé ou châtié selon ce qu'il a semé sur terre comme bonne ou mauvaise parole. Et l'on récoltera ainsi dans sa balance comme bonne ou mauvaise action. Car les blessures causées par la langue laissent des traces indélébiles et éternelles dans la vie des musulmans. Et dans l'au-delà, bien sûr. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a soumis la parole à la récompense ou au châtiment. Tôt ou tard, la bonne parole mène à la réussite et au bonheur, comme la mauvaise mène à l'échec, à l'adversité et au malheur. Avec une seule parole, on entre en islam, et dans l'au-delà, Inch'Allah, au paradis. Cette parole, que l'on prononce avec conviction et sincérité de l'unicité d'Allah, il n'y a d'autre divinité si ce n'est Allah. Allah Azza wa Jal promet dans le noble Coran pour ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et dit, et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle pour ceux qui font le bien. Mais dans le même temps, le serviteur chute avec une seule parole dans les entrailles et le précipice de l'enfer d'une distance équivalente à celle entre l'Est et l'Ouest, comme il est venu dans son noble hadith de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: l'un des sujets de Dieu ou l'un des serviteurs d'Allah peut prononcer une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais qu'il le fait chuter dans l'enfer à une profondeur aussi grande ou plus grande que la distance entre l'Est et l'Ouest. Les paroles traduisent ce que contiennent les consciences du serviteur et révèlent les secrets enfouis dans son cœur. Ainsi, si tu veux connaître le cœur d'un tel, regarde, ou plutôt écoute, ses paroles et ses expressions. Elles sont souvent révélatrices de ce que contient son cœur et elles sont une preuve de sa bonne ou mauvaise conscience. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit: les cœurs sont semblables aux marmites qui débordent de ce qu'elles contiennent et les langues en sont les cuillères. Observe donc celui qui parle et sa langue te renseignera sur ce qui est en son cœur, sucré ou acide, doux ou amer et d'autres choses encore. Les cuillères de sa langue te renseigneront sur le vrai goût de son cœur. Le plus difficile pour un serviteur, même se disant bon croyant, c'est la difficulté à tenir sa langue. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit à ce propos: parmi les choses étonnantes est qu'il est facile à l'homme de se préserver ou de s'écarter de la nourriture illicite, de l'injustice, de l'adultère, du vol, de boire de l'alcool ou encore de regarder ce qui est interdit, etc., etc. Mais il peine à contenir les mouvements de sa langue à tel point qu'on peut voir un homme connu pour la religion, l'ascétisme et l'adoration ne pas se prémunir de prononcer des paroles qui encourent la colère d'Allah. Il ne leur prête aucune attention alors qu'une seule de ses paroles le précipite dans l'enfer d'une distance plus profonde que ce qui sépare l'Est et l'Ouest. Combien peut-on voir d'hommes se préserver des turpitudes et de l'injustice alors que leur langue diffame les réputations des vivants et des morts, et ils ne prêtent même pas attention à ce qu'ils disent. Serviteur d'Allah, si l'exalté gratifie son serviteur avec de bonnes paroles, d'agréables locutions et de belles expressions, tu verras son estime et son approbation dans les yeux des gens qui se fient à lui pour leur dépôt et leur confidence. C'est pour cela le plus difficile et le plus important pour le croyant est de préserver sa langue et les maux qu'elle peut causer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: la foi d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que son cœur n'est pas dans la droiture, et le cœur d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que sa langue n'est pas dans la droiture. Si la parole est d'argent, le silence est en or. Et dans les traditions du compagnon du prophète radiallahu anhum, on rapporte que
Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu mettait une petite pierre dans sa bouche pour s'empêcher de parler et il disait, en faisant allusion à sa langue, « C'est elle qui m'a fait engager dans les sentiers dangereux. » Préserve ta langue, frère de foi, sauf pour quatre choses, disait un de nos pieux prédécesseurs. Dire ou témoigner d'une vérité, refuter un blasphème ou un mensonge, être reconnaissant envers quelqu'un, remerciant Allah pour ses bienfaits sur toi ou encore pour transmettre une sagesse. Il faut être gentil et agréable avec les gens, souriant, même si à tes yeux ils sont mauvais ou pervers. Ne méprise personne pour ce qu'il est, car toi tu ne peux être aussi bon et aussi gentil que Moïse et Aaron, et lui il ne peut être aussi mauvais que Pharaon et consorts. Pourtant, Allah Azza wa Jal a envoyé ses deux prophètes, alayhim assalam, à Pharaon en leur disant, allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Protégez-vous du feu de l'enfer avec de bonnes paroles, car notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, c'est-à-dire en donnant en aumône. Si vous ne trouvez pas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors avec une bonne parole. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prions et saluons sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.